Bonjour les apprentissages à la lecture, c'est Sarah du blog apprentissagedelalecture.com. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des plaisirs secrets de la ménopause du docteur Christiane Neutrup. Je vous ai concocté une fiche outil sur le thème de votre beauté et de votre bien-être dans votre assiette en collaboration avec Ingrid Lecoeur, hypnothérapeute. Est-il possible de se sentir belle et bien dans son assiette à la ménopause? Oui, 100 fois 8, elle est une des nombreuses questions que répond le docteur Christiane Neutrup dans Les plaisirs secrets de la ménopause. Bien que cet ouvrage s'adresse en priorité aux femmes ménopausées, il serait vraiment dommage de devoir attendre 50 ans pour pouvoir profiter de ses nombreux conseils. Ils sont pour la plupart recommandés bien avant 50 ans. Alors, autant prendre une longueur d'avance pour jouir encore plus de la vie en apprenant à booster notamment notre taux de monoxyde d'azote dès notre plus jeune âge. Celui-ci est reconnu pour agir directement sur notre bien-être et sur notre santé. À travers cet ouvrage, le docteur Christiane Neutrup veut mettre un terme à de très nombreux clichés, notamment celui selon lequel la ménopause signalerait le début de la fin, ou encore qu'une femme n'est plus désirable ou ne devrait plus faire preuve de sensualité à partir de cet âge. Le docteur Christiane Neutrup s'appuie à la fois sur son expérience de femme, de chercheuse et son expertise de médecin pour démontrer comment le plaisir guérit le corps. Et maintenant, quelques citations inspirantes issues de l'ouvrage Les secrets de la ménopause pour vous donner les clés des plaisirs durables et ainsi vous donner confiance en vous, en votre beauté et atteindre le bien-être dans votre assiette. Premier petit conseil, savourez les plaisirs de la vie. Ayez confiance en vous, oui, vous êtes belle. Troisième petit conseil, savourez le plaisir dans l'assiette. Et maintenant, passons à l'action. Une des bases de la bibliothérapie, le développement personnel par la lecture, est d'appliquer le plus rapidement possible les conseils de l'auteur qui ont résonné en vous, sans quoi votre lecture aura été vaine. Commencez par lister les actions que vous voulez appliquer, puis passez à l'action. Si vous vous sentez concerné par le sujet, voici quelques conseils donnés par l'auteur. Le docteur Christiane Neutrup recommande d'utiliser les affirmations positives pour augmenter votre confiance en vous. Afin de vous aider à passer tout de suite à l'action, je vais laisser la parole à Ingrid Lecoeur, hypnothérapeute. Ingrid vous offre sur sa chaîne YouTube deux séances d'affirmations positives pour vous sentir belle et bien dans votre assiette. Vous pouvez pratiquer ces séances d'affirmations positives autant de fois que vous le souhaitez. L'idéal pour un bel ancrage est de pratiquer régulièrement au cours des 30 prochains jours. Vous pouvez par exemple commencer votre journée en commençant avec les affirmations positives « Je suis belle » pour ainsi prendre confiance en vous et ainsi démarrer votre journée boostée à bloc.
et pratiquer le soir les affirmations positives, maigrir en écoutant votre corps pour vous éviter de grignoter ou encore de manger n'importe quoi ou trop. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la vignette vidéo de l'affirmation positive de votre choix pour commencer à passer à l'action. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fiche-outil livresque pour vous retrouver et agir sur vos petits mots du quotidien. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, eh bien, ne partez pas sans vous abonner. Allez, bye bye et hop, je laisse la place à Ingrid.